On continue notre visite des librairies avec Jacques Attali pour Histoire de la mer, c'est Fayard. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout retenir. Je ne sais pas comment vous faites, vous, d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu Christophe Ondelat, puis parfois, il a même un peu de mal à se rappeler de toutes ces histoires. Vous, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Yann Moix m'a confirmé en coulisses. Il m'a dit, oui, mais ce type-là, Thalie, c'est un cerveau, un ordinateur. Tu lui dis un truc, et une demi-heure après, il retient tous les chiffres, tous les noms. Un ordinateur très humain, hein, ah oui. À préciser. Quand même, c'est vrai, vous avez une capacité de mémoire absolument hallucinante. Et alors moi, je ne peux pas me retenir tout ce que vous avez écrit dans ce livre, et surtout sur ce qui s'est passé au début, parce que ça, c'est toujours intéressant, les millions d'années, ce qui s'est passé avant. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais quand même, c'est passionnant. Est-ce que vous pouvez, juste pour ceux qui nous regardent ce soir, même si en plus vous avez la gentillesse pour vos lecteurs, avant vous dites, vous n'êtes pas obligé de lire ce chapitre, hein, vous pouvez même le passer. Ça, le premier chapitre. Ça n'altérera en rien la compréhension des suivants. Mais quand même, nous faire un petit historique du début de ces histoires de la mer et comment nous, êtres humains, on est sortis au fond de la mer. Il y a d'abord, après la création de l'univers, enfin le Big Bang, 500 millions d'années après, il y a l'apparition de l'eau. Il y a 4 milliards d'années, donc on saute 7 milliards d'années, il y a 4 milliards d'années, apparaît 4 milliards et demi d'années, apparaît le système solaire, et pratiquement en même temps, la Terre et les planètes. L'eau se trouve là, il semble qu'il n'y en a pas ailleurs que dans le système solaire, même si c'est une énigme, il est possible qu'il y en ait ailleurs. Il y a de l'eau sur toutes les planètes, mais il y en a surtout sur la Terre. Et c'est là que ça se situe, donc la Terre s'organise comme ça, et la vie apparaît pratiquement tout de suite. Il y a 3 milliards 500 millions d'années, la vie apparaît. Le système évolue beaucoup, la Terre change, les océans bougent beaucoup, et ça se stabilise il y a à peu près 500 millions d'années. À ce moment-là, en effet, la vie sort de la mer. Enfin, des reptiles d'abord les plantes. D'abord les plantes, puis ensuite les reptiles, et ensuite ça évolue, comme on sait, vers les activités humaines. Et d'ailleurs, les reptiles apparaissent avant les poissons, qui apparaissent plus tard. La vie proprement humaine apparaît, alors on peut difficilement, disons qu'il y a 2 millions d'années à peu près, on peut considérer que c'est quelque chose qui ressemble à l'être humain, même si avant, c'est des gens qui commençaient à marcher debout. Il y a 2 millions d'années, c'est quelque chose qui ressemble à... Les Homo erectus. Mais ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est à peu près il y a... Alors, maintenant, on recule la date de son apparition, c'est disons il y a à peu près 400 000 ans, et là, ça évolue progressivement. Il y a un peu avant, il y a 800 000 ans, selon ce qu'on disait tout à l'heure, il y a déjà les premiers voyages maritimes qui, semble-t-il, sont donc ces singes ou hommes qui dérivent sur l'océan Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique latine, qui sont latines, enfin à l'époque ça s'appelait pas comme ça, qui étaient beaucoup plus proches qu'elle n'est aujourd'hui. Et puis ensuite, les hommes qui sont partis d'Afrique, ça on en est certain, sans doute plus répartis qu'on ne le croyait, ont été un peu partout, d'abord sur la Terre, évidemment, et assez tardivement sur la mer. Et on a à peu près le sentiment qu'ils ont été sur la mer d'abord il y a 80 000 ans en Asie. Alors évidemment, après, il y a le commerce, la première puissance maritime vraiment importante, c'est un port dont on ne parle jamais dans nos livres d'histoire, qui est en Indonésie, qui a été la grande puissance mondiale sur Shiyawaya entre le 6e siècle de notre ère et le 11e siècle. Et puis après, ça se joue en Europe, dans l'ordre, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, qui sont les grandes puissances qui se disputent. Et comme vous voyez, la France ne s'y trouve pas. Ce sont les grands ports qui commandent le monde. Puis ensuite, ça bascule Boston, New York, la côte californienne et ensuite l'Asie. Qui contrôle la mer commande le commerce, qui contrôle le commerce commande le monde. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Et aussi commande l'idéologie, la culture, parce que la mer, c'est la liberté. Donc, c'est par là que vient le commerce, mais c'est aussi là que vient la liberté. C'est là que vient le désir d'accueillir les autres, le nouveau, le changement, les étrangers, la démocratie. Tout vient par la mer. Les voyages, et ce voyage à travers le livre de Jacques Attali, ça vous a intéressé, Yann Moix, et puis ensuite Christine. Oui, ça m'a passionné, le livre est remarquable, et comme à chaque fois, vous prenez un angle, et cet angle est totalement traité du début à la fin, en donnant une intelligence nouvelle à des choses qu'on croit connaître par cœur, et qui finalement se réveillent, parce que vous leur donnez une dimension inédite. Et ça, c'est votre façon de faire depuis toujours. Et là, la mer, évidemment, c'est très intéressant. Et j'ai une question à vous poser à ce sujet. Les deux livres, finalement, qui ont créé la civilisation européenne sont sans doute l'Odyssée d'Homère et l'Énéide de Virgile. Et le début de l'Énéide est celui-là.
Je vais chanter la guerre et celui qui, exilé prédestiné, Armaviram Quecano. Tout a commencé par lui. Vint des parages de Troie, en Italie, à Lavinium, sur le rivage. Lui qui, sur terre et sur mer, fut longtemps le jouet des puissances célestes à cause de la rancune tenace de la cruelle Junon, qui eut tant à souffrir de la guerre pour fonder à ce prix une ville et installer ses pénates dans le Latium, d'où la nation latine. Là, vous voyez, on a tout. On a quelqu'un, Virgile, qui décide de créer la civilisation latine sur le modèle de la civilisation grecque. Par la mer également. On a également cette volonté d'arriver en Europe, sur le Latium, en Italie, et les vents contraires repoussent Énée et ses hommes perpétuellement sur les côtes libyennes ou à Carthage, Tunisie. Est-ce que vous ne trouvez pas là qu'il y a une résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire finalement à destination des exilés, où des gens viennent d'ailleurs, essayent par la mer d'arriver en Europe, et les forces contraires, Éole, dans l'Énéide, Éole, ce sont les vents, aujourd'hui les vents, c'est le nationalisme, que ce soit en Hongrie, en Pologne, en Autriche, le réveil des nationalistes, des vents contraires éoliens qui les poussent, et Junon, l'Europe, qui se déchaîne contre ces exilés, qu'on peut aussi appeler migrants, et qui les renvoie. Est-ce que dans l'Énéide, il n'y a pas quelque chose qui déjà annonce la naissance de l'Europe par la mer et sa défection actuelle aujourd'hui que la Méditerranée est devenue un cimetière géant? D'abord, la mer est en effet, par définition, le lieu du voyage. Donc, c'est le lieu du nomadisme qui a été la grande force structurante de l'humanité, qui a été nomade jusqu'à devenir sédentaire très tardivement, puisqu'elle devient sédentaire il y a seulement 7000 ans, alors qu'elle existe depuis 2, 3, 400 000 ans. Donc, pour moi, j'ai toujours pensé et écrit que la sédentarité était, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas que je le souhaite, mais c'est une parenthèse dans l'histoire humaine, le nomadisme est en train de repartir. Et la Méditerranée, qui est le lieu où s'est jouée une part essentielle de la puissance humaine entre le 10 siècles avant notre ère, parce que ça commence plus tôt que Rome, ça commence avec les villes grecques de la côte turque, où s'est jouée toute la philosophie qu'on appelle grecque, mais qui est en fait, je dirais aujourd'hui, turque. Avec Thalès, Anaximandre et tous ces gens-là, puis ensuite ce qui s'est passé en Grèce, toute cette puissance-là était dans le mouvement, était dans la mer. C'est comme ça que sont faits les échanges. L'Asie s'est tue parce que l'Asie a choisi de refuser la mer par peur de la mer et donc s'est fermée et donc c'est comme ça qu'elle a décliné. Et aujourd'hui, en effet, la Méditerranée, qui avait vocation à ne plus être rien, puisqu'elle était un petit lac au milieu de nulle part, se trouve de nouveau dans une situation extraordinairement importante parce qu'elle est au point de rencontre du continent le plus riche et le plus privilégié de la planète, qui est l'Europe. 700 millions d'habitants qui ont, avec beaucoup d'inégalités, d'injustices, de misère et de pauvreté, mais le plus privilégié du monde. Et en dessous, ou à côté, ou au sud, 1 milliard d'habitants qui, dans 30 ans, seront 2 milliards, qui sont là et qui, évidemment, si on ne fait pas en sorte qu'ils se développent, ne resteront pas là et qui vont bouger. D'abord bouger vers les côtes, puis ensuite bouger vers nous. Et donc, en effet, la Méditerranée est en train de reprendre un sens nouveau, qui est un sens du mouvement, d'un mouvement qui sera massif, dont on voit un petit peu comme dans une symphonie où on entend les premières notes. Ce qui se passe en ce moment n'est qu'un tout début de ce qui va se passer si on ne réussit pas à créer les conditions d'un développement raisonnable de l'Afrique pour l'empêcher. La Méditerranée va être l'enjeu majeur du miroir des questions humaines, et une fois de plus, la mer va l'être. Ça ne va pas jouer sur le Pacifique parce que les espaces sont trop grands, même s'il y aura des mouvements entre la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, l'Australie, qui commence aussi. Ça se jouera essentiellement en Méditerranée. Christine Angot. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée, je crois, au printemps, que vous pensiez, non, d'ailleurs vous ne pensiez pas, vous étiez sûr, qu'il y allait avoir la guerre. Et vous décriviez en 4 étapes ce qui va y conduire. Et je trouvais ça intéressant, convaincant, et je pensais que, parce que c'est intéressant si vous pouviez redire, si vous pensez toujours ça, ce que vous pourriez redire. Tout le problème quand on essaye de réfléchir à l'avenir, c'est de dire ce qu'on craint pour que ça n'arrive pas. En 1910, il y avait beaucoup de grands intellectuels ou d'hommes politiques remarquables qui ont dit ce qui allait arriver si on ne faisait que continuer les bêtises. La guerre de 14, qui était parfaitement évitable. En 1928-29, il y a des gens qui ont dit qu'il fallait créer une Union européenne pour éviter la crise et Hitler. On ne l'a pas fait et on a eu la guerre. Et on a fait les réformes après la guerre et pas à la place. Je suis aujourd'hui dans la même position que ces gens-là. Je ne pense pas que la guerre soit certaine.
Je pense que si on continue comme c'est aujourd'hui, elle est inscrite dans ce qui se passe. Mais si je le dis, ce n'est pas par pessimisme, je ne suis pas pessimiste. Je Quelle pense... guerre, qu'on sache. Alors, même. Voilà. Il y a quatre étapes, puisque vous avez cité ces quatre étapes. La première étape, c'est le déclin de l'Empire américain. J'ai écrit ça dans un livre précédent qui s'appelait « Une brève histoire de l'avenir ». Il y a un déclin de l'Empire américain. Là, les États-Unis ne sont plus capables de gouverner le monde. Deuxième étape, c'est qu'il y a une tentative de gouverner le monde par d'autres nations, pas une seule, parce qu'il n'y en a pas une seule qui va être capable de remplacer, mais un groupe de nations qui essayent de prendre le pouvoir. Ils n'y arrivent pas non plus. Troisième étape, c'est les entreprises qui essayent de gouverner le monde. Vous disiez, je crois, ils n'y arrivent pas non plus parce que le marché est plus fort. Voilà, ils n'y arrivent pas non plus, le marché est plus fort, donc ce sont les entreprises, le marché. Pour une raison philosophique très profonde, c'est que la démocratie est locale, elle est dans un territoire, tandis que le marché est mondial. Donc le marché mondial, la démocratie locale, comme on n'a pas d'état de droit, ou d'état tout court, mais en tout cas au moins d'état de droit planétaire, le marché l'emporte. Et par nature, le marché, quand il n'est pas régulé, le marché, en gros, pour faire court, il est pour les riches, la démocratie, elle est pour les pauvres. Quand le marché l'emporte, c'est les riches qui l'emportent. Donc l'écart de revenus, ce que disait Yann Moi tout à l'heure, l'écart de revenus s'installe, le chaos, la priorité au court terme, le désastre absolu écologique, tous les désastres possibles. Et ce paroxysme-là, se résout par la guerre. Tout concourt, les technologies, tout concourt à la guerre. Donc, c'est la quatrième étape. C'est la quatrième étape, qu'on peut éviter. Et si on ne l'évite pas, de toute façon, après, il y aura un état d'ordre international. Après, je ne sais pas, si on fait l'ordre de grandeur des morts, il y aura... Avec en plus un bellicisme américain qui est évident en ce moment. Oui, une dimension accidentelle. On peut apprendre... La situation d'aujourd'hui ressemble beaucoup à celle de 1910. En 1910, il y avait à peu près la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de progrès techniques. La voiture, l'électricité, le gramophone, la radio, le téléphone, l'avion, enfin tout ce sur quoi on vit aujourd'hui était là. On était très optimistes, le tour du monde en 80 jours, la démocratie, la globalisation. Le XXe siècle aurait dû être un XXe siècle extraordinairement positif et heureux. Tout était en place pour ça. Puis il y a eu des grains de sable. Les grains de sable, c'était du terrorisme qu'on appelait nihilisme. Ça a été une crise financière, comme aujourd'hui, protectionnisme. Et puis il y avait deux, trois types dont en 1910, on ne connaissait pas l'existence, qui s'appelaient Mussolini, Hitler, Lénine, qui ont surgi. Et ils sont quelque part aujourd'hui, ceux-là. Si on n'y prend pas garde, qu'est-ce qui s'est passé entre 1914 et 1989, chute du mur, 75 ans de barbarie. On a ça aussi au XXIe siècle possible. On peut l'éviter comme en 1910, on pouvait l'éviter. On aurait pu éviter les 75 ans de barbarie du XXIe siècle. Et là, de ce point de vue, la mer nous donne bien cette idée qu'il faut, je ne dis pas un gouvernement mondial, parce que ça, c'est une utopie absurde, mais il faut un état de droit mondial. Il faut comprendre que si on ne met pas en place des règles qui nous concernent tous, de justice sociale, de droit, d'éthique, de morale, eh bien, on ira au chaos. Et la mer est le lieu de ça, parce que si on n'est pas capable, au moins dans un domaine où il n'y a pas de frontières, par définition, parce qu'il n'y a pas de... établissement physique fixe, de mettre un état stable, alors le chaos est inévitable. Stéphane Guillon et Christophe Ondelat ont levé la main comme des élèves. Oui, bah oui, c'est le principe. Non, c'est votre émission et vous la dirigez comme vous voulez, mais je crains qu'entre le livre de Christophe Ondelat sur le dépeçage et le cannibalisme et Jacques Attali qui nous annonce une future guerre... C'est possible et qu'on peut éviter. Voilà, on va peut-être foutre le cafard à nos téléspectateurs, c'est tout. Non. Mais non, parce qu'on a, on a le concert des Beatles avec nos chanteurs français vendredi prochain, puis on a Modigliani. Je préside une fondation qui s'appelle la Fondation pour une planète positive. Donc je ne suis pas du tout pessimiste. Non, mais c'était un pour faire... Je pense qu'on peut l'éviter. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut l'éviter. Mais la meilleure façon de l'éviter, c'est de savoir que c'est possible. Oui. Christophe. Non, mais moi, je trouve que cette idée est intéressante parce que je partage cette crainte. Moi, je vois plutôt des sociétés... je vois plutôt venir des guerres civiles. Je vois des sociétés très fractionnées. Je pense que les États-Unis vivent actuellement un face-à-face d'une violence totale entre les pro-Trump et les anti-Trump. Je pense que ça prend une dimension tellurique. Je pense qu'il faut arrêter de rire de tout ça. Il faut arrêter de rire de Trump, ça devient très grave. Et ce pays est au bord de l'explosion interne. Il y a un face-à-face qui fait qu'on se moque de Trump, que les pro-Trump, au fond, pensent qu'on se moque d'eux. Et donc, nourrissent un ressentiment de plus en plus important vis-à-vis, en gros, de ce qu'on appellerait, nous, les bobos. Je pense que ce face-à-face existe en France. Je pense qu'il existe dans beaucoup de pays et qu'au fond, nos sociétés sont très antagonisées comme ça. Les gens, c'est face à face et qu'il y a beaucoup de violence. Et donc très fragile en ce moment. Très fragile et je vois venir, enfin, je crains la guerre. Moi aussi, je crains la guerre. Mais je suis très
aussi encouragé par le fait que je vois dans la fondation dont je m'occupe, Positive Planète, nous réunissons tout le temps des gens qui, à travers le monde, travaillent de façon positive dans l'intérêt des générations suivantes. Nous venons de faire une réunion de ce genre au Havre il y a quelques semaines. C'est fantastique de voir combien la jeunesse, et pas seulement elle, est transnationale, traverse, combien on voit quand on va voir les gens qui s'occupent des migrants, de voir des gens qui, avec humilité, avec respect, avec passion, s'occupent des autres, avec une générosité, un altruisme. Je crois que la grande bataille d'aujourd'hui, c'est une bataille idéologique entre l'individualisme et l'altruisme. Et je ne suis pas désespéré, je pense que l'altruisme peut l'emporter. Et justement, la mer est un lieu où l'altruisme est fondamental, parce que sans altruisme, on ne survit pas sur la mer. De toute façon, si l'espèce humaine disparaissait, vous l'écrivez, imaginons le pire, la vie continuerait au moins sous la mer, jusqu'à réapparaître sous d'autres formes, comme après les précédentes extinctions de masse sous la mer et sur la terre. L'espèce humaine ne verrait pas alors l'évolution des océans qui se transformeront encore. En fait, elle, la mer, elle restera. Oui, la mer a été le lieu de la vie permanente, où bien des espèces ont continué. Par exemple, les requins ont survécu aux 6 extinctions de masse précédentes, et l'espèce humaine pourrait disparaître, comme beaucoup d'espèces qui disparaissent. Pratiquement toutes les espèces n'ont qu'une durée de vie très brève, mais c'est sous la mer que la vie reste essentielle. Et même si la mer est très menacée, c'est là que la vie sera protégée. Alors, pour sauver la mer, parmi tous les conseils que vous donnez, après, je redonne la parole à Yann et à Christine, il y a un paradoxe. Vous dites, il faut manger moins de poissons, hein, et seulement des poissons de saison. Il faut aussi réduire sa consommation de viande. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de mettre des règles de droit international et tout ça, mais on est chacun responsable. Il faut que chacun d'entre nous joue sa part. Ne pas utiliser de produits qui conduisent à des déchets plastiques, mais aussi manger d'une façon pondérée. Je vais donner en effet des exemples de poissons qu'on peut manger, en citant d'ailleurs des sites qu'il faut consulter de façon permanente, parce que les poissons qu'on a le droit de manger changent avec les saisons et avec les... On ne doit plus manger de lotte, de loup, de grondin, de dorade, de maquereau, de merlan. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, le requin, ça, je m'en passais. Le rouget, le thon rouge, le thon jaune. Pas manger des humains, Laurent. Ça fout la trouille, parce que vous nous dites en même temps, faut pas manger de viande. Alors on se dit, bon, on va bouffer que des légumes, alors. C'est pas si mal. Oui. C'est donc, pas si mal. Vous nous conseillez d'être végétarien. Je suis convaincu que dans 50 ans d'ici, nous serons tous végétariens, qu'on le veuille ou non, pour une autre raison qui est la mer autrement, c'est l'eau. L'eau. L'eau qui est consommée d'une façon épouvantable pour produire de la viande, et qu'on n'a pas, puisque nous allons être 9 ou 10 milliards et que la quantité d'eau va diminuer par habitant, alors que la demande d'eau va augmenter. C'est la seule chose vraiment rare, l'eau, avec le temps, puisque notre vie est brève. L'eau est rare, et la seule façon de réduire la consommation d'eau, ce sera de devenir végétarien. Donc, ou on le sera de façon volontaire... Ou obligatoire. Ou sera contraint. Dans 50 ans, on mangera des pissenlits. Par la racine. Yann, alors, et puis Christine. Il y a une question qui m'intéresse. Je sais que vous êtes obsédé par le temps. Vous êtes l'homme du sable et des sabliers, parce que le sablier compte le temps qui passe. Vous voulez dire, il y a une collection, c'est ça? Le sablier, oui. Et la Terre... Qu'on comprenne, nous, on n'est pas tous allés chez lui, Yann, vous comprenez? Non, mais je veux dire par là que... j'ai publié un livre là-dessus. Oui, pour quand ça. Même. Histoire du temps, en 1982, je crois. Il y a chez vous une obsession du temps qui passe, et effectivement, tout ce qui est terrestre permet de... Comment dire? De voir le temps passer. Les arbres, les saisons, les monuments, la terre s'abîme d'une certaine manière. Et on a l'impression que la mer, sur la mer, le temps ne passe pas. On ne voit pas le temps passer sur la mer. C'est le contraire du sablier. La plage est le contraire de la mer, si vous voulez. Et est-ce que cette dimension-là, de constance, vous a interpellé? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais bien sûr, parce que la mer, c'est la pérennité, c'est la stabilité, c'est l'immortalité, d'une certaine façon. Et donc, c'est là qui nous donne un sentiment de pérennité et de durée, en tout cas d'espérance dans la durée. Parce que cette stabilité est là. Il n'y a pas ce qu'il y a sur la Terre, c'est-à-dire le retour des saisons qui donne l'impression de la nécessité d'une périodicité tyrannique. Alors que sur la mer, c'est un terrain d'aventure où à la fois il y a une stabilité, une immuabilité. Il n'y a pas de passage de mort à la vie, de vie à la mort. Mais en même temps, c'est un lieu de voyage, c'est un terrain d'aventure. Et ceux qui voyagent sur la mer, quand même, vous disent qu'elle n'est plus tout à fait la même qu'avant. Non, elle n'est plus la mer qu'avant, bien sûr. Elle est... Cette pérennité n'est pas bien si sûr, forte que ça. Elle est extrêmement menacée, extrêmement menacée. Et alors, à propos de ceux qui voyagent sur la mer, on a l'impression que ceux qui n'ont pas réussi à penser la mer, ce sont les Juifs. Ils ont réussi à penser la navigation, c'est-à-dire le navire, c'est encore une terre, finalement, posée sur la mer. Mais comment se fait-il que ce soit une des rares civilisations, une des rares cultures qui n'ait pas réussi à penser la mer?
En effet, j'essaie de m'interroger là-dessus parce qu'en effet, la plupart des autres grandes civilisations grecques, égyptiennes, chinoises ont pensé la mer. La civilisation juive s'est écartée de la mer puisqu'ils sont vécus à l'intérieur des terres. Et ils n'ont pensé la mer qu'après, une fois que l'État hébreu a disparu au 70 de notre ère et que dispersé, ben, ils ont été obligés de voyager sur la mer pour échanger les idées entre eux. Et donc la mer a été le lieu de réussite du successeur ou du prolongateur du judaïsme qui a été le christianisme. Parce que le christianisme n'existerait pas sans la mer. Et à la fois, on le voit bien dans la symbolique chrétienne et dans le mouvement de la... Ne serait-ce que le poisson, voilà, christique. C'est ça dont je faisais allusion. Mais en même temps, toute la conquête chrétienne s'est faite par la mer. Donc la mer a été le lieu du dépassement du judaïsme dans le christianisme. Christine Angot, pour terminer, avec Jacques Attali. Oui, c'est une question qui est proche de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous-même, vous vous présentez en disant que vous êtes écrivain, président d'un institut international, économiste, chef d'orchestre, romancier. Vous dites « j'essaye d'avoir plusieurs vies ». Et ma question, c'est celle-là. Évidemment, vous conseillez et vous côtoyez des hommes politiques depuis très longtemps. Et je voudrais savoir, si vous avez la réponse, pourquoi les hommes de pouvoir veulent tellement être des artistes ? Mitterrand, Macron, qui se veut écrivain, Giscard qui écrit un livre, et jusqu'à Mélenchon qui dit qu'il rêve d'écrire un roman d'amour. Est-ce que vous... Avec Chirac, peut-être qu'il aimait le sumo, mais c'est tout. Encore que ce n'est pas vrai. On lui doit quand même l'Orphée. Oui, mais... Oui. Les arts primitifs. Oui, mais il ne s'est pas projeté, lui, comme c'est artiste. Vrai. Il voulait faire du cinéma. D'abord, c'est assez spécifique à la France. Si vous regardez les hommes politiques ailleurs... Ils font de la politique. Ils font que de la politique. Ils ont envie du pouvoir. C'était fascinant. Moi, je n'ai travaillé qu'avec un seul homme d'État. Ronald Reagan. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent tout, les hommes de pouvoir? Non, parce que je dirais qu'en France, la véritable légitimité et la véritable porte d'accès à l'immortalité, c'est la littérature, c'est pas la politique. Très peu de gens sont en politique en situation d'accueillir l'immortalité. Donc ça veut bien dire qu'ils veulent tout, parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent l'immortalité. Un homme d'État actuel et le pouvoir bien éternel. Sûr, c'est la seule chose qui compte. Ils veulent les deux. Il y a aussi les prix Nobel de littérature. Ils veulent les deux. Yann Moix disait tout à l'heure que je m'intéresse autant, mais tout le monde s'intéresse autant. C'est la seule question qui concerne chacun de ceux qui sont dans cette pièce. Nous sommes mortels, la seule chose rare, je disais l'eau tout à l'heure, mais la seule chose vraiment rare, c'est le temps. Nous sommes tous mortels et c'est la seule chose qui nous intéresse. Chacun cherche à gérer le temps d'une certaine façon, soit avec dérision et fantasque, défi à l'égard de notre mortalité, soit en disant qu'on espère, soit que les livres qu'on écrit ne seront pas oubliés sur une étagère de bibliothèque et qu'on les lira encore, ou en tout cas d'avoir fait quelque chose. C'est votre but à vous ? Oui, on essaye d'être utile. Mon but, c'est d'être utile. Et d'être utile, ça veut dire que plus tard, on pourra peut-être penser que j'ai servi à quelque chose. Que vous aviez raison. Que j'ai servi à quelque chose. Vous voulez laisser une trace ? Non, je ne souhaite pas avoir raison. Je souhaite convaincre assez pour avoir tort. Histoire de la mer chez Fayard, c'est le dernier ouvrage de Jacques Attali. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt.